Yeah, 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 welcome, 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 welcome à la saison 2 du League Day. Ce soir, je reçois des artistes de ouf. On va voir X3Boy, ZAS et Sensi One. C'est parti. On va laisser un peu aux gens le temps de se connecter, de s'approcher. On va se mettre bien comme d'habitude. Welcome, welcome, c'est le League Day. Yes, sir. Oh my God. On va commencer cette nouvelle saison de la plus belle des manières, de la plus forte des manières. Installez-vous, yo, yo, yo. Oh my God. Grosse session ce soir. Comme j'ai dit tout à l'heure, des artistes de ouf. On va voir Monsieur X3Boy qui sera de la partie ce soir pour vous ambiancer. On va voir aussi ZAS, le refrain. On va voir aussi le refrain Sensi One. Installez-vous, c'est le League Day, saison 2. Mettez-vous bien, je vous ai tous vus, on est là. On va commencer gentiment par s'installer dans le plus bel espace qui est. Welcome, welcome, installez-vous, c'est le League Day, yes I, ça fait plaisir de vous voir un peu tous, on va relancer ça, on va faire une belle saison cette année, on va faire que des gros bails, c'est une dinguerie, on a des gros bails. Avant de commencer, je voulais tout d'abord remercier mes sponsors, grâce à eux c'est possible, on a tout d'abord, comme d'habitude, vous connaissez la mafia, vous connaissez la famille, La team de S-Factory qui nous balance, qui nous régale ce genre d'artefacts. Merci à vous S-Factory d'avoir encore une fois su me faire confiance pour cette nouvelle saison de la League Day. On a aussi les frérots sûrs. Cannabis King. Yes I, Cannabis King nous suit encore cette année avec des accessoires de folie à faire gagner, comme par exemple ce jeune plateau DSI, pour pouvoir rouler tranquillement. La grosse flexion s'est assurée. On a aussi le refrain de chez Jeff Peter qui va vous faire gagner des filtres comme ça. Aïe 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 aïe. Ce genre de filtre pré-roulé, tout est prêt, 100% biodégradable. Oh my man, c'est de la fucking tuerie, 100% papier. Installez-vous, c'est du lourd. C'est le League Day. Oh my God. On a qui en comme sponsor aujourd'hui? La Feuille Blunt. Oui, oui, vous ne rêvez pas. J'ai encore des Feuilles Blunt à vous faire gagner ce soir. Oh my God. Feuille Blunt, Blunt, La Feuille Blunt. Checkez ça, allez checkez les Insta. C'est du très lourd. Putain, on va continuer. J'ai quoi encore à vous faire gagner ce soir? J'ai le frérot de Chanvron le Monde qui vous fait gagner cette jeune sacoche. Bah, bah, en chanvre avec le petit grinder. Il y aura un grinder et une box comme ça à gagner toutes les fucking semaines. Toutes les putains de semaines, vous allez avoir ce genre de truc à gagner. Je vous le dis tout de suite. Vous allez kiffer. Je vais vous régaler. Je vous le dis tout de suite. Invitez le maximum de personnes, les gens qui kiffent le son, qui kiffent le rap, qui kiffent la weed, my man. Aïe, 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 je vais vous faire gagner des dingueries. Aussi aujourd'hui, ce que je vais vous faire gagner aujourd'hui, je vous connais, vous adorez ce genre de délire. Qu'est-ce que c'est que ça? Bra, c'est les frérots de chez Cash qui vous font gagner aujourd'hui. Combien vont gagner? Combien? Ah. Yes, I. J'ai gagné un petit pilon aujourd'hui, un petit pilon de chez Cash, le Royal Ketama, vous allez déguster, vous allez le savourer, que pour les winners, que pour les gagnants, oh my God. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver après tout ce temps passé. Avant même de commencer, on va commencer tout d'abord par un putain d'émoticône et faire gagner directement quelque chose. C'est parti. Je sais pas ce que je vais vous faire gagner, je ne sais pas. J'ai oublié avant de vous lancer, il y a aussi les refrains de chez Green Garden qui va vous faire gagner des capes. Oh my man. Green Garden à Marseille, le shop. Si vous avez besoin de choper des petits bails, c'est à Marseille que ça se passe, c'est là-bas. Green Garden, il y a des belles capes.
Il y a des belles capes. Il y a des masques comme ça, des masques Kana Kana à gagner. C'est que l'affection, c'est que du love, c'est que de la tuerie. Bon, vous êtes prêts? On commence par le petit jeu, c'est parti. Bah, on balance. Avant d'accueillir le premier artiste, la première personne qui me donne ce putain d'émoticône. Ah, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. On va voir, on va voir. Pas de tricherie, je vous mets que des nouveaux émoticônes. On n'a pas le temps pour ces putains de fucking conneries. Miss PNL. Miss PNL a remporté. Miss PNL, tu viens de gagner. Big up à toi. Je voudrais un tonnerre s'il vous plaît, pour Miss PNL qui vient de remporter. Félicitations à toi, Miss PNL, toi, tu vas gagner ça. Bla! Welcome, 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 welcome. Le petit masque Kana édition limitée. Édition limitée, offert par les frérots de chez Green Garden. Le shop à Massilia. Yes, I. Donc tous les cadeaux sont amenés récupérés. On se donne rendez-vous à Genève, on se démerde. Plop, 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 plop. Miss PNL, félicitations, tu viens de remporter le premier cadeau. Yes, I. Yes, I, yes, I, yes, I. On va bien noter, on va bien noter. On va bien noter. J'ai encore quelques cadeaux la saison dernière. Il y a des t-shirts qui sont restés encore. Ceux qui les veulent, faut m'envoyer le petit message, faut récupérer assez rapidement. Sinon, les cadeaux vont être mis en jeu. On s'en bat les steaks. Frère, Miss PNL vient de gagner un petit masque. C'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau, c'est parti. On va lancer tout d'abord la belle soirée, on la lance. On la lance ou pas, on la lance ou pas. À la vôtre, c'est le lead day numéro 2. On va commencer par le premier artiste de la soirée. Le first artiste de la soirée. Le premier artiste s'appelle Mr. Sensi One. Yes, I, c'est l'heure. On y va, installez-vous, c'est le lead day. Roulez-vous le stick, c'est le moment. Roulez-vous le star. Roulez-vous le star. Yes, I, yes, I, yes, I, mon refus. Yes, I, mon gars. Si, Flo. Yes, bang, bang, Prado. Comment va, on est ensemble, mon pote. Ça va et toi, super bien. Yes, I, yes, I. C'est un plaisir de te recevoir dans l'émission, dans la première de la saison 2. Parce qu'en vrai, tes sons, c'est de la frappe. Moi, je kiffe ton univers, ton délire. Il mérite d'être découvert. C'est de la grosse, grosse smoke pour ceux qui connaissent, qui apprécient ce genre de délire. Merci beaucoup, mon pote. Plaisir partagé. Si, c'est un plaisir. Avant de parler un peu plus de toi, on va tout d'abord commencer par lancer le leak, le premier son, l'exclusivité, ou le petit son que tu veux nous faire passer. Est-ce qu'avant que je lance, tu pourrais nous parler un peu de ce son? Il me semble qu'il s'appelle Versace, le son. Bah écoute, Versace, c'est un petit jeu de mots pour la marque de grande couture italienne et le sachet vert, t'as vu qu'on connaît bien nous deux, qu'on apprécie tant, tu vois. On adore ça, on adore ce genre de... Après, voilà, c'est un petit jeu de mots, mais après, c'est pas forcément un morceau 420, c'est plus un morceau Ego Trip. Yes, bah, c'est ça. Et puis voilà, ça faisait partie des trois cartes de visite que j'ai données, que j'ai balancées en juillet, qui s'appelaient les Freestyle Filtrés. Ouais. Et donc ça, c'était le numéro 2 okay. Sur une prod de The Night Producteur. Voilà. Je vous invite directement après le live à aller checker ce qu'il fait. Allez checker, c'est du très très lourd. Il y a des freestyles. Ici les crados. Merde. Yeah, 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 yeah. Bah écoute, on va tout de suite balancer le morceau. C'est parti. Avec plaisir, le mon morceau s'appelle Versace, Sensi One, que de la frappe. Si le son est pas assez fort, tu me fais un petit signe, on balance ça. Bad. Manix.
Ça c'est vert. Bang, 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 bang. D'ici mes crados. Ici de la verdure, de la verdure, du sachet vert. Comme on l'aime. On en regarde, on adore ça, on adore ça. Dédicace à mes deux gars qui m'ont aidé pour le son, donc The Night producteur à la prod et LD Beat mon binôme voilà, avec qui j'enregistre. Bang bang. Aïe 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 aïe, ah, c'est archi lourd, c'est de la frappe, c'est les bons délires ça. Allez, merci beaucoup mon ref, ça fait vraiment plaisir. T'inquiète, t'inquiète, le cœur y est en tout cas. Moi j'apprécie ce genre de délire, ce genre de force. On est ensemble mon ref. Ah oui, et oui, et oui. On va enchaîner directement, tranquillement, par la mini interview mon frérot. Allez. Alors pour commencer, la première question, comme d'habitude, je voudrais savoir comment t'as rencontré Mrs. Mary Jane. Donc, ah, Mary Jane, ouais, je l'ai rencontré, frère, bien jeune. Bien jeune, avec un grand du quartier qui m'a fait fumer mon premier joint. Je suis parti loin, frérot. Je me souviens, j'étais aussi avec un de mes meilleurs potes. Et lui aussi, ouais. C'était sa première. Et nous deux, on est partis loin, mais on a dit, waouh, c'est un délire, cousin. Donc après, voilà, hein, après, j'ai commencé jeune, frère. J'ai dû avoir, je sais pas, 12, 13 ans, tu vois. Ouais. Après, voilà, on s'est mis à fumer en soirée, on s'est mis à fumer machin. Maintenant, c'est quotidien, cousin, tu vois. C'est ça. Mais je peux même plus. J'ai dû fumer des tonnes, frère, si je devais compter toutes les. Additionner tous les trucs. Ah, bah ouais, je pense bien, c'est ça. C'est le gasoil maintenant, c'est ce qui fait railer, c'est ça, on tourne avec. Qui donne l'inspi, c'est ce qui canalise, et c'est ce qui des fois te permet un peu de réfléchir, de prendre du recul, tu vois. Carrément, on l'oublie, mais en vrai, c'est médical aussi, frérot. Hein. Complètement, vraiment, après, c'est pas donné à tout le monde, en vrai. Non, c'est pas donné à tout le monde, tu vois, c'est comme, voilà, comme tous les traitements ne sont pas, voilà, qui correspondent pas à tous les patients, on va dire. Bah voilà, là, si toi, ça correspond à toi, ça peut être pas mal aussi en tant que médical. Parce que je connais du monde par rapport aux antidépresseurs, etc. Ils sont plus là-dessus, tu vois. Ah, c'est qu'il faut éviter le chimique, hein. Eh oui, tu connais. Après, on est dans un pays, c'est compliqué, hein. C'est ça, c'est aussi compliqué, c'est ça. C'est pas tous les jours facile, c'est pas évident. T'as vu, j'ai pas mal voyagé. Il y a des destinations mieux que la France pour Bédave. Hein. Ah, bah oui. Ah oui, largement. Pour la Bédave, à fond. À fond. Après, on est gros consommateurs hein, sur le tamis, on n'est pas mal. Bon, après, voilà. Il y a quelques producteurs qui sortent quand même un peu du lot gentiment, là. Il y a des petits trucs qui commencent à s'exporter au niveau français. Mais, alors, on a des fois, dédicace à THC Chameleon. Yes, I. Ouais, The ouais. I Chameleon, dédicace à Kanaï Kikit et cette équipe. Bang, bang, on est ensemble, les gars. Big up à eux. Gros grower, THC Chameleon. Beaucoup entendu parler de celui-là d'ailleurs. Énorme, des super produits. Mimosa Limonchi. Exactement, tu vois, bah, Mimosati, je pense que c'est eux, la petite graine derrière tout ça, tu vois. Ouais, c'est lui la petite graine, exactement, c'est ça. Après, il y a l'amour du grower aussi derrière. Big up à et là, la laitière, en tant que bon connaisseur, bah, il a choisi, quoi. Ah ouais. La nation bullet. C'est ça. Les produits laitiers sont nos amis. Exactement. On va passer à la deuxième petite question. Deuxième petite question, c'est est-ce que t'as des petits trucs qui vont sortir là dans les mois à venir? T'as des petits projets, des petits projets? Ouais, écoute, là. Ouais. Bah écoute, j'ai un EP là qui est presque bouclé. Donc, t'as vu, c'est un peu de temps, c'est beaucoup de travail. Je suis tout seul avec mon binôme à faire les bails et tout. Ouais. J'aimerais, si tout se passe bien, le sortir avant la fin de l'année. Avec quelques visuels, tu vois. Ouais. Un petit EP de 6-8 titres avec quelques beaux invités dessus. Et okay. Si tout se passe bien, je sors avant la fin de l'année. Pour l'instant, je vais pas m'aventurer à dire des dates et tout, mais tu seras au courant quand ça sera un peu plus carré et puis okay. On en dira. Ok. Bah, si on te donnera des nouvelles. Dans ma story pour ceux qui sont intéressés, à fond. Merci pour la support, frérot. N'hésite pas, t'inquiète pas, c'est normal.
Yes, side. On va passer gentiment à la troisième partie. C'est le freestyle. Donc, c'est à toi de mettre le freestyle sur la prod que tu choisis, de ton choix. Donc. Ok, bah écoute, c'est parti. D'abord, on va faire des petits réglages de son. Tu vas me dire si t'entends bien des bails comme ça. Ok. Parfait. T'entends bien? Ouais. Allez, c'est carré. Hop, c'est reparti. Ok, mes crados. Un. League Day. Un. Siflo, siflo. Yeah. 420. Every day. C'est Sensi One. Dans League Day, oui, gros. 420. Demande à Siflo. C'est Sensi One. Dans League Day, oui, gros. 420. Demande à Siflo. Mon crado, mon crado. Mon crado, mon crado. 420. Demande à Siflo. Yeah. Bang, bang. Est-ce que vous venez C1? Ah, yeah, ok. Ouais, je vais leur péter leur tibia. Si ces pétés veulent briller, il faut une caisse de grenade. Un détecteur de billets. Chérie, t'as des sperme petit déj. Ah, poula, 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 enflammé, 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 bordel, enflammé, enflammé. Ok, Sensi One dans le League Day. Oui, gros. 420 demandes à Siflo. Allez, allez, allez. Yo, un, un. Ouais, je vais leur péter leur tibia. Oh. Ok, un, un. Yeah, un. Ouais, je vais leur péter leur tibia. Si ces pédés veulent briller, il me faut une caisse de grenade. Un détecteur de billets. Chérie, t'as dit sperme au petit déj. J'ai les meilleurs rimes, ouais, ouais. Meilleur, meilleur rimes, ouais, ouais. Dealer, dealer, si c'est vrai. Voyage, voyage, interstellaire. Je me roule un joint blindé de VR. Du THC, plein un, les veines. Ma bite entre ses seins. Les mecs, les mecs, les mecs. C'est qu'un mort vivant, moi un gorille blanc. Crac, musique parrainée, pas par le Hamas au Liban. Un ego plus gros que le menton des frères Bogdanov. Ouh, on m'a dit, Sensi, Sensi, tu sais, t'es trop hardcore, trop hardcore. Soit je baisse des MC, soit je baisse des gros salopes, gros salopes. Comment faire confiance au pays de collabo? Ouh, c'est Sensi One, dans League Day, oui, gros. 420, demande à Siflo. Yeah. Mon crado, mon crado. 420, hey. Mon crado, mon crado. Hey. Demande à Siflo. Bang, bang. Ya! Aïe, 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 yo! Real freestyle, mon gars, ça c'est du lourd, ça. Ça c'est du lourd, ça. Ça c'est du lourd. Ok, on va essayer notre instru. Ah, mais crado, mon crado. C'est qu'une seule prod, mon crado. C'est qu'une seule prod. Ah bon, je savais pas, frérot. Ok, ok, ok. On arrête, on arrête. Ok, frérot, c'est toi le boss. Mais t'inquiète pas, à l'occasion, je te réinvite parce que vas-y, les artistes, ils peuvent revenir, il n'y a pas de souci. On fait tourner ça au maximum. Avec plaisir, frérot. Yeah, yeah, merci yeah, beaucoup, yeah. En tout cas. Merci pour l'invitation, merci pour tout. C'est un grand plaisir. Avant de se quitter, on va juste terminer sur un petit jeu. C'est le petit délire comme d'habitude. Faut que tu mettes un émoticône, la personne qui met le même que toi repart avec un petit cadeau, tu vois. On se démerde pour lui faire parvenir un petit délire. Un seul? Ouais, ouais, tu mets comme tu veux, c'est toi qui as le choix. T'as le choix, c'est libre. Allez, c'est Tipa. C'est parti. C'est parti, brocoli et nuages. Oh my god. La première personne. Allez, les crados là, bang bang. Oh my god, Poppy Bull. Poppy Bull, bang bang. Yo, Manny. Félicitations à Poppy Bull. Si, Poppy Bull. Grâce à Sensi One, tu viens de remporter un cadeau. Poppy Bull, en tout cas, super bon anniversaire à toi parce que je crois que c'est ton birthday aujourd'hui. En plus, happy birthday, bang bang. On va donner le petit kit. Il va faire plaisir. Tu vas gagner le petit H qui passe bien. Le Royal Ketama de chez Kush, tranquillement, avec la petite feuille. À venir récupérer au QG, on va, mais c'est du très très lourd. Sensi One,
Merci à toi, mon frérot. Mon gars, merci beaucoup, mon crado. T'as joué, ça fait plaisir. T'as répondu présent. Il n'y aurait pas beaucoup qui auraient fait ça parce qu'en vrai, quand on connaît pas trop les délires, c'est dur. Et toi, t'as assuré. Force à toi, ma gueule. Merci beaucoup, mon ref. Merci à tout le monde. Si. Suivez-moi sur mon Insta. Bang, bang. Allez, follow les refrains. Allez, follow les sœurs. Allez, follow tout ça. Bro, 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 bro. C'était Sensi One. Bang, 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 mes crados. On se retrouve. Tard plus. Check, check. Yes, ça, mon ref. On va continuer tranquillement la soirée avec le prochain artiste. Le prochain artiste de la soirée. Il s'appelle Zela S. C'est le Zela S. L'homme qu'on appelle Zela S. Ça veut dire Zela, argent et son. Installez-vous. Encore félicitations à Poppy Bull qui vient de reporter un petit morceau de Royal Kitama de chez Cash CBD. C'est un plaisir. Et voilà, un maximum de personnes souhaitent le joyeux anniversaire parce que c'est son birthday. Oh my god. On va continuer cette magnifique soirée tranquillement. On a encore plein de trucs à vous faire gagner. J'ai encore pas mal de petits trucs. Des petits trucs de chez Champion le Monde, des trucs de chez S Factory. Des ça, des trucs de chez Jeff Filter. Ce genre de filtre. Impeccable, c'est impeccable. C'est impeccable ce genre de filtre. C'est impeccable, franchement. Aïe, 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 je vous fais gagner ça tout à l'heure. Je vous fais gagner ça tout à l'heure, c'est promis. On va continuer cette belle soirée avec le prochain artiste. Zeda EC. Est-ce que vous le connaissez ou pas? Est-ce que vous connaissez ce genre d'artiste? Moi, personnellement, je le connais. Je le connais très, très bien, celui-là. Je le connais très, très bien. On va balancer. Je l'invite? Je l'invite ou pas? Je l'invite ou pas? Allez, c'est parti. Mister Zeda S. Nueve, nueve. Nueve, nueve. Yes, I. En tout cas, merci à vous d'être toujours autant présents. Il est là. Oh ah. Ba, 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 ba. Comment les va, mon cyclo? Comment va, mon refrain, ça se passe? Yes, I. Tu vois que t'es équipé. Ah, je l'ai vu, j'ai repéré le pilon déjà, je l'ai repéré. On est là. Il faut surfer sur la vague. Qu'est-ce qu'il dit, mon refrain, ça se passe ou quoi? Ça va, toi? Ouais. C'est un plaisir en tout cas de te recevoir encore ce soir. Merci, frérot. Le du League Day, on relance ça. On balance plein de cadeaux, plein de trucs tu connais déjà de toute façon. C'est là-dessus. Merci à tous les gens qui sont venus sur le live, qui me supportent. Le Nine, tout le monde. Livia, Lucas. Je vous envoie plein de bisous, on est ensemble fort. Aïe. Ah ouais. C'est grâce à vous si on continue de le faire, tous ceux qui soutiennent. C'est de la big force, vous imaginez même pas. Damn. La force. Bon, mon Zazou, on va directement commencer. On va directement balancer le son, sans plus attendre. Ton leak, est-ce que tu peux nous parler un peu du morceau avant que je le balance? Ouais, c'est un morceau, il s'appelle Incendie. Ouais. Il va sortir sur mon prochain projet qui s'appelle Émotion. Ouais. Et il va sortir début novembre. J'ai pas de date encore exactement, mais. Ok. Dessus. Courant fin de l'année, c'est ça, il sort tranquillement encore. Voilà. Yes, ça. Bah, c'est parti. Allez, on va lancer ça tout de suite. Envoyez des flammes, les frères. Envoyez des flammes, envoyez des cœurs, envoyez un maximum de bye. Du love. Avec sens illimité sur vous tous. Sur le volume, on est bon ou quoi? Là, un peu plus. Aïe. Mes émotions sont contenues, je les retranscris sur paper. C'est à tous les temps que j'ai plus qu'à vos haters. Non, c'est à cause de toutes ces bitches qui font genre. Du coup, j'ai un seulement pour porter fort mes deux gères. Pas ces petits penses à m'envoyer comme son genre. Si j'entends en fait, je me mettais en enfer. Vida loca loco, garde un peu loca. Si retourne coco, dans vos camps cristal, je salaire, des ricabita. Des grosses tiges d'avant la pita. Faut niquer la vie avant de finir à l'hôpital. Quel est dans ce capital, à quoi vous foutez, j'ai un vidéo, à prendre un quand je dois penser à mon capital. Des coups du zars à la capitio. Avec un capitaine, mais de la patatia. Oui, de la patatia. Celui est seul, mais je suis plus dans sa vie. Elle est mine, elle est dans la poche. Tu veux dire aimé, elle en avait pas la même. Elle est dans un coco. Pour la vie, c'est mes deux poches. Et tu ne gagnes pour ne plus vivre dans la guerre. Elle est dans l'incendie. Il fasse beaucoup, même qui pleure. Oui, mon cœur est dans l'incendie. J'en ai gardé des idées.
Si je parle à Dieu 4 fois par jour, c'est parce que j'ai fait des heures sup. Résumé n'est pas réglé, j'essaie de me consoler au sud. J'ai dû reprendre ma vie en main et m'éloigner des stupes. 18 mois de sourcils sur les côtes, l'état m'oblige à postule. Oui, la costume, tu as un costume et un costume. Fin qui accepte toutes mes lacunes. Je pense pas qu'aucune rêve par une pute. La jalousie, une pute, voire arrête à toute flûte. Je reste à la flûte à vue pendant qu'ils coupent les fusées. Leurs fameux qui partent leur futur, tout est tout mieux que au foot. Viens pas nous faire des fins, dégage d'ici, je resterai solo au fond. Jamais bégayé devant les décombres, dès qu'on touche dans le fond. Donc ensemble, on devrait déconner. Comme STA 2F, je suis une ancienne école. Yes, ça, big up à staff. Big up à staff. Tu gâtes. Repoule-up, ça, repoule-up. Ouh, cette furie. Des lourds, hein? On a dû 4 fois par jour, c'est parce que j'ai fait des heures sup. Résumé n'est pas réglé, j'essaie de me consoler au sud. J'ai dû reprendre ma vie en main et m'éloigner des stupes. 18 mois de sourcils sur les côtes, l'état m'oblige à postule. Oui, la costume, tu as un costume et un costume. Femme qui accepte toutes mes lacunes. Qui pense pas qu'aucune rêve pas une pute. La jalousie, pute, pute, voire arrête à toute flûte. Je reste à l'affût, t'as vu comment tu écoutes les fusées. Leur fenêtre qui porte leur futur, tu t'es tout mieux que au foot. Bang! Viens pas nous faire tes fans, dégage d'ici, je reste solo au fond. Jamais bégayé devant les décombres, dès qu'on touche dans le fond. Donc ensemble, on devrait déconner. Comme STA 2F, je suis une ancienne école. Wow! Ba 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 ba. Staff, il rend fou! Il rend fou! À tous. Merci Cyclo. Aïe 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 aïe. C'est du très très lourd ça. Ouais. Bien joué. Bien Merci. Joué. Le morceau va être disponible quand? Il va être dans mon projet émotion. Donc un petit peu dans l'année. Et en passant, je vais venir taffer avec toi, tu sais. Si, si, vas-y, t'inquiète, hein, tu connais c'est déjà. Tu connais. Pourquoi t'as fait comme des fucking boss? Tous les fucking day. Yes. Vas-y, Zaz, alors on va enchaîner tranquillement après ce jeune son par une interview. Tranquillement. Je voudrais que tu nous dises tout d'abord ce que tu préfères entre la weed et le tamia, ma main. Ma main, je préfère la weed, c'est plus simple. Ah ça bon, il préfère la weed. Ça met plus ice. Ça met plus ice, mais après, le shit, c'est mauvais pour le cerveau. Après, ah, ça tape, hein, ça tape. Hein. Il y a les gros filtrés maintenant. T'as goûté un peu les filtrés, tout ça, là. Triple ça filtré, tout ça, là. Wax. Tu connais la wax? On connaît. On s'est mis bien avec la wax, mon gros. Bah ouais, et la deuxième petite question, tranquillement, c'est... Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes projets à venir? Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qui va arriver? Ouais. Pas de soucis. Ouais, donc mon EP, là, il arrive pour la fin d'année. C'est, le titre, c'est Émotion. Ouais. Donc, c'est un projet... À la base, je voulais faire un petit EP de 5 titres. Mais ouais. Au final, j'ai fait plein de sons et je me suis mis à écrire. Au final, il y aura 9 titres. Ah, lourd, lourd. 9 titres. 9, baf. 9. 9, 9. Du coup, j'envoie 9 titres pour la fin de l'année, là, avec que des exclus, avec un peu tout genre, mais j'ai respecté les normes. J'espère qu'ils vont être contents. Yeah. Ah bah on a hâte d'entendre ça, en tout cas. Un gros big up pour Malifique, parce qu'il est sur le projet. Grâce à lui, on avance. Donc, un gros big up à Malka. Big up à Malifique. Ah ouais, force. Ouais. Il est très, très chaud. Il est actif depuis de nombreuses années. Très, très chaud, d'ailleurs. Ce sera un plaisir de le recevoir, je crois que je l'avais reçu dans la première saison, il me semble. Ouais, on va sûrement l'inviter dans la deuxième saison. Obligé. Normal, c'est ça. Merci, Malka. T'inquiète, c'est un plaisir. On va enchaîner par
le moment, le freestyle, tu vois. On va voir. Parce qu'il y a des rappeurs qui rappent que dans les studios. Après, voilà. Il n'y a pas de mauvais style. Il y a des bons rappeurs dans le studio, bons rappeurs de freestyle. Mais c'est bien aussi, voilà, d'être polyvalent, comme on va dire. D'être polyvalent, ouais, de ouf. Ça. C'est d'envoyer un petit truc propre. Allez, on écoute ça, on se régale. Installez-vous. Fumez ça comme à la ouest. Qu'est-ce que tu nous envoies alors? Le texte, je vais le lire parce que je ne le connais pas encore. Alors, le titre, ça s'appelle Ange ou démon. Donc, il sera issu de ma mixtape qui arrive. Ouais. Je le reprécise, émotion, ça arrive bientôt. Et donc, je vais vous envoyer ça. C'est parti. Donc, la prod. C'est parti. Poppy Boo, la gueule dit ça. Voilà, j'espère que vous allez entendre. C'est d'après. Ah, mais plus fort l'instru, on n'entend pas. Bon, c'est ça. On n'entend pas l'instru, mais sinon, c'est pas grave, fais acapella, frérot, ça passe aussi. T'entends pas là? Non, on n'entend pas l'instru. Non. Attends, on va faire un autre truc. Attends, deux secondes. Comme ça, t'entends? Non, on n'entend même pas la prod, frérot, non. Mais non. Tu la mets sur YouTube de ton côté? Ouais, vas-y, Robin. C'est pas grave, fais un cappella, sinon ça va être décalé, mon ref. Bah vas-y, je vais la refaire. Hein. Vas-y, vas-y. Désolé, sur les toiles instruites, toi, et puis voilà. Désolé, si vous entendez pas, les gars, je vais envoyer ça. Mais ça, la prod, le beatmaker de Zixo. Yes, sir. Bang bang. Bang bang. Il y a des vides qui te guettent, pour des sous confiance. Ramène-moi ça, l'air guetta, guetta. Donne pas trop de confiance. Dans ce monde, il y a des traites. Das, faut que tu sois constant. Jusqu'à récup, la recette. Oh, c'est pas le David qui me pousse à continuer cette merde de rap. Dans ce monde de rap, pense à toi-même, tu seras solo une fois des raps. Tu vivras pas ce que j'ai vécu, mais ne toi bien au fond de ta tête. On sait qu'il part de test. Après être passé dans nos roues, j'ai fait du chemin depuis. Je les ai tout faites et garde à vue, j'étais au fond du puits. Mon ange de droite, seul en lui, j'écris tes détracteurs. Je les sens qui viennent me servir un grand coup. Ils rêvaient de me voir jeter l'encre, mais mon magie continue. On contribue, j'y crois, on continue. En continuant taper, je vais rassurer en l'honneur au bout de plus. Il me reste encore deux continents à faire. Besoin de manger des crustacés dans ce genre de plat en fer. Viens pas me parler de tes plans d'enfer. On a déjà perdu assez de temps. Prendre soin de son corps, c'est primordial. On t'apprend pas quand t'es vivant. L'argent fait pas le bonheur. Par contre, ta liberté s'achète. Va pas te faire sauter la gagette. Oh. Y'a des vies. Te guette. Pour des secondes blanches. Ramène-moi, ça a l'air guetta. Donne pas trop de confiance. Dans le monde, y'a des traites. Zaz, faut que tu sois constant. Jusqu'à récup, la recette. Pour certains, qu'à une cagette. Voir le monde. Ah, pull up. Aïe, ma main. Attends, pull up ça. Désolé. T'inquiète pas, mon gros, c'est carré. C'est carré, mon attends, gros. Attends, okay, au revoir. Hein? Vas-y, je renvoie. Hey, la light tape un fil, pour certains qui a une gâchette. Voir un corps froid et bleu, à personne je le souhaite, ou bien le noir dans mes yeux. Mais là qu'à cause de ma distraire, à la force de me distraire. Donc je m'en remets auprès de Dieu, mon éloigne de presse. Mes démons, c'est comme les stress. Ça t'analyse et ça t'apprendre comme chacune de tes faiblesses. À chaque choix, c'est ton âme, la pièce maîtresse. Je pense que chaque femme redoute de voir maîtresse. L'amour, ça blesse, ok, mais compare ça au mal dedans, la douleur ou l'autre chance. Mais qu'est-ce que la détresse? L'amour, ça blesse, ok, mais compare ça à un enfant sans parents, tu meurs d'inconscience, bien sûr qu'il y a détresse. Je vais pas décider, je suis révolté dans toute ta loi, pour rien ne va, j'espère que tu te souviendras de moi, le jour où je m'en irai. Tu es révolté dans toute ta loi, pour rien ne va, j'espère que tu te souviendras de moi, le jour où je m'en irai. Tu vois, débile, y'a le débile, te guette,
sur le sous, on plonge, ramène une fois ça yeah. Aïe, 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 non, désolé, les gars. En si, plus, t'inquiète, c'est impeccable, mon gros. C'est impeccable, c'est impeccable. Comme ça. Donc, vas-y. C'est impeccable. Yes, ça. Bon, merci. J'espère que vous avez bien entendu la prod. Fait chier. Avec la prod, on n'entendait pas trop. C'était plutôt a cappella, mon ref, en vrai, tu vois. Mais du coup, ça va, on a bien compris les lyrics, les paroles. Regarde, les gens, ils ont kiffé. Il y a des satus. Le bon. C'est ça, ma man. Let's go. Bon, merci à tous, merci. Yes, Sai. Avant de partir, on va faire le petit jeu, comme d'habitude. Petit jeu des émoticônes, tu passes un émoticône. La personne qui met le même émoticône que toi repart avec un petit cadeau. Ok. Soyez à l'affût, les frères. À l'affût, à l'affût, à l'affût. Hop. Let's go. C'est parti. Mettez le même. Vous avez vu les motifs? Ah, les Miss PNL. Voilà, Miss PNL. Miss PNL. Là, il y a trois grands joueurs. Il y a trois très, très grands joueurs. Écoutez, Miss PNL, elle a encore remporté la partie. Elle a encore remporté la partie. Suivie de très, très près par TPMJ Record. Suivie de très, très près par JRS. Mister Jack 4ème. Ok, ah non, Mister Jay, elle a pas mis le bon signe. Bon, Miss PNL, t'as gagné. Fort, 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 lourd. Miss PNL, elle prend des rafales. Elle est pas là-dessus, les frères, désolé. C'est un paquet de papers. Paper rolling for you. Miss PNL, yeah. Ton paquet de slim. Voilà, qui s'additionne. Let's go. Bien évidemment, avec ton masque. Voilà, ici on empile, ici on stack. Ici, c'est voilà, tu gagnes, tu gagnes plusieurs cadeaux. C'est comme ça. C'est le gain. Miss PNL. Libia, elle avait trouvé Libia aussi, mais dommage, quelqu'un qui a trouvé avant toi, Libia. Pas loin, pas loin, pas loin. Pas loin, Libia. C'était pas loin, la famille. Bon, allez. Zaz, merci en merci, tout cas d'avoir trouvé. Une grosse force à toi, merci. Yes, ça, c'est un plaisir comme à chaque fois. T'as force à X-Free, force à Sensi, on est ensemble, force à tout le monde. Peace. Yes, ça, et Big Floor. Yeah, 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 Flexence, mon gros. Bao. Bao. Bonne soirée. Yes, sir, c'était ZAS dans le leader. Oh my god. Oh, Miss PNL, elle vous met la misère, hein, je vous dis. Hein. Miss PNL, elle ne rigole pas avec vous. Elle est venue pour les cadeaux. Elle attend ses cadeaux. Oh, oh, faut réagir. Faut être rapide. Très, très rapide. Bon, après, voilà, il y en a qui disent que l'iPhone est triste parce que tu peux écrire fantôme et il y a l'émoticône qui apparaît. Donc, on sait quoi ce qu'on va faire. On va mettre des suites d'émoticônes pour que, voilà, un peu compliqué le délire. Pour que ce soit un peu plus, voilà. Réglo. En tout cas, c'est la force. Je reçois tous vos messages. C'est magnifique. On va enchaîner directement avec le dernier artiste de la soirée. C'est déjà le fucking dernier artiste, mais c'est pas grave. On va continuer quand même. Ça m'appelle sur live, la famille vient voir sur le live. Big up à Sensiwan encore une fois. Big up à ZAS. On enchaîne avec le troisième et dernier artiste de la soirée. Mister Xtreme Boy, est-ce que vous êtes chaud ou pas? Vous allez découvrir un artiste. C'est très, 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 très lourd ce qu'il fait. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est où? On l'invite tout de suite, c'est parti. Installez-vous, c'est le lead. Moi, j'ai fini mon spliff. On passe par ce genre de délire. Allez, hop. Ouais, je le dis, ça va ou quoi? Qu'est-ce qui passe à loco? Yes, ça, yes, ça, yes, ça, yes, ça, ça va ou quoi? Tranquille? Ça va quoi, tranquille? Ça se passe? Ah bien, on est posé au studio. Hein. Ah bah ouais, je vois ça, l'ambiance tamisée, tranquillement, posée. Ça fait des sons ou quoi? Ouais. Ouais, bon. Toujours. Pose là. Aïe. Écoute, mon frérot, avant que tu te présentes, avant de faire quelque présentation que ce soit, on commence toujours par le son que tu as à nous présenter. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Alors, ce son, c'est Tuyo. C'est un son reggaeton. Et, yes. C'est un son qui sortira dans mon prochain album. Enfin, mixtape, je dirais. Ok. Donc, pour tous les amateurs qui... et amatrices de reggaeton, c'est le moment. Exact. Écoute, on va passer, on va directement balancer le son. Il va parler de lui-même. C'est parti. Xtreme Boy, ça se dit comme ça, mon frérot?
Ouais, sinon c'est XDRI sur les plateformes. Yes, I. Installez-vous, installez-vous, installez-vous. Tu y a mi cama, nos quedamos besando a las seis. Sabes que me suena, que pa' ti yo siempre quedo fiel. Corriendo en la arena, la persigo, me quema los pies. Mole la pena, que la sigo, me mata mi sed. En la arena de la party, como lo muero así. Toda la mía, me lo baila pa' mí. No me hagas caso, que yo me despedí. Porque ya se lo saben, mujeres son así. Aïe, allez checker ça, allez checker ça. Pour tous ceux qui kiffent ce genre de délire, tu vois, il y a un maximum de cœur là, c'est du très 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 lourd. Ah, bien joué. Bien joué. Thomas. Attends, faut que je montre un bail ici. Bon, dans le sud. Ça, je suis sûr que ça te plairait, moi. Aïe, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, faut qu'on fasse la connexion là. Là studio c'est Lamine. Là, t'es obligé là. Tu connais ce genre de fly. 7-0 mon gars, toujours la wax, KDD à Frenchy Smoker. Normal, normal. Oh, mon frérot, le morceau, il est très très lourd. Franchement, il est très très lourd. Franchement, c'est du très 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 lourd. J'ai vu, il y a du monde qui a kiffé. Allez checker, allez ajouter, allez checker. C'est de la frappe. C'est vers le sang. On va enchaîner sur la petite interview, mon frérot, tranquillement. C'est passé depuis le confinement. J'ai commencé l'espagnol. Ouais. Ok. Parce que à la base, t'es pas espagnol. Si. Justement, depuis. Mais tu parlais plus. Avant, je rappais en français et puis je suis parti en espagnol il n'y a pas longtemps. Maintenant, ouais. Plus du reggaeton, du un peu l'africaine, en fait, t'as vu. C'est du lourd. Tout. Franchement, c'est du lourd. En plus, vas-y, moi je connais pas trop d'artistes comme ça, reggaeton et tout. Et franchement, c'est carré. Hein. Franchement, c'est grave carré, tu vois. C'est du très très lourd. Hein. Et du coup, tu fais pas que ça, c'est ça? Je fais du style un peu, genre, si tu veux, je peux te montrer en deux spi la prod. Je fais des sons comme As. Ok, allez écouter la mif. Et là, si tu veux, pour le freestyle, je peux carrément t'enregistrer le son en direct dans la cabine. Hein, avec auto-tune et tout. Aïe. Vas-y. Franchement, si t'es chaud, let's go. Si t'es chaud, let's go, on fait ça.
Vas-y, vas-y, trop chaud. Bah, attends, je te prépare ça. En attendant que tu prépares tranquillement, je vais poser quelques petites questions pour l'interview tranquille. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, ça fait combien de temps que tu fais du son? Ça fait 5 ans. Et j'ai sorti une première mixtape qui s'appelle Explosion. Là, dernièrement, j'ai sorti une mixtape avec Arai en collaboration. Là où j'ai commencé un peu à montrer ce que je faisais en espagnol, t'as vu? Ok. Et, puis bah, prochainement, ça va sortir une nouvelle mixtape. Bon, je pense que les personnes qui ont dû suivre sur les réseaux, ils ont peut-être capté qu'il y avait la suite à quelque chose. Et prochainement, là, il y a des clips qui vont sortir, plein de visuels, genre des trucs hardcore, quoi. Énervé. Ah ouais, bah si jamais tu n'hésiteras pas à me partager, je repartagerai aussi dans ma story. Il n'y a pas de souci, frérot. Simère le sang. Bah du coup, on va faire quoi? On va baisser le son. Hein, est-ce que tu es prêt déjà? Ouais. Ok, bah vas-y, on va passer directement au freestyle, my man. Vas-y, t'as plus. Calidad, comme dirait Francis Smoker. Désolé, le chat, je suis pas trop sur le chat. Madara et Francis Smoker, c'est bien dosé. ZBFR, Zas, il est là. Et ouais, Staff, il est là. Miss PNL, la team, c'est bien dosé. Yes, ça, et Poppy Bull. Ouais. Jeune clé, si la mif. Vas-y, c'est parti. Allez, c'est parti. Gros délire, là. Gros délire. Auto-tune live, n'est-ce pas? Oh my god. Yes, ça, c'est BFR, on te voit, mon frérot, t'inquiète pas. Mister Ja. Mi rosa se está ahí, no sé qué te lastima. Con su traigo de mí, batí la fuga que rima. Mi sentido yo te lo di, a ti se yo no sentí. La vida no me nací, mejor te pone tirita. Sube la nota y usuario, lo mejor. Y yo así como mi vida, amor. No vale la pena que tú me hagas caso, no sabes lo que es mi dolor. Mejor que te quedes si tú no querías conmigo, nada más en amor. Veo que yo me arrepiento, no es la cosa más lenta. Solo te doy una rosa, para que te quede viendo. Quiero ir para la luna, pero de rosa más pura. Y de venga me le gusta, aunque no lo vean justo. Calor, eso es lo que siento cuando bailo. No sé, lo puedo ver. Siento que me quema esta vaina. Si ya que su poder. Eso es lo que siento cuando bailo. Se lo puedo ver. Siento que me quema esta vaina. Ay, si ya que su poder. Pero que la pista no cuenta. Todo gritando. No te escucho, me está matando. Una como mirando. Mientras vi tengo mi piel. Y puta que no quiere mirar. O deja que no estás en la piel. Y si le pisa un poco seco, yo le daré más sabor. Dale más sabor, pa' que sea yo su amor. Dale caso ahora que le mola si el olor. No soy el matador, solo rece el honor. Oh, eso es lo que siento cuando baila. Si ya que supo ay. Siento que me quema esta vaina. Si ya que supo eso es lo que siento cuando baila. No sé, lo puedo ver. Siento que me quema esta vaina. Si ya que su poder. Vas-y, j'avais un peu la pâteuse, c'était dur d'enchaîner et tout, mais t'as capté. Ah, c'est du lourd. Ah, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Bravo, my dude, bravo. C'est vraiment ça. Franchement, c'est du lourd. Énervé. Ah ouais, moi j'aime beaucoup, je pense que les gens aussi, ils ont kiffé. Un scud de ouf, les gens ont dit drill, espagnol,
Aïe, aïe, trop fort, trop fort. Ah ouais, frérot. Ah là, t'as assuré. C'est du très, très lourd, en tout cas. C'est un plaisir de te recevoir ce soir. C'est un vrai plaisir. Avant de se quitter, après ce freestyle de ouf, mon frérot, on va faire un petit jeu d'abord. Comme tout à l'heure, avec les émoticônes, on va essayer de faire gagner des petits trucs, tu vois, à ceux qui sont dans le chat, qui sont là avec nous ce soir sur le live. Vas-y, vas-y. Essaye de mettre plusieurs émoticônes si tu peux, tu vois, pour que ce soit un peu compliqué. Parce que là, on a des... Ah, ils sont chauds. Et ils sont... saison, ils savent tous les petits délires. Il faut leur mettre du dur. Ah ouais, 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 du très très lourd. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, les frérots. La team. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah, c'est dur, hein. Ah, Miss Penel. Ah. Ah, mais Miss Penel. Miss Penel, elle a encore gagné. Elle a encore gagné. C'est la même qui gagne. Bravo à toi, en tout cas, Miss Penel. Vous êtes trop rapide. Oh, 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 vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Miss Penel, franchement, c'est gagné. C'est gagné. Allez, hop là. T'as déjà eu quoi? Qu'est-ce qu'elle a déjà eu, Miss Penel? Elle a eu le masque. Elle a eu le spliff. Miss Penel, on va lui rajouter un truc de chez Cannabis King. Bam! Miss Penel, tu remportes ce petit tube. Yes, sir. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres types de jeux. Vous inquiétez pas. On va trouver des solutions. Miss Penel, tout ça, c'est à toi à récupérer. Et c'est grâce à X3 Boy. Va écouter ces sons, tu vas kiffer. Oh my God. Mon frérot, X3 Boy, t'as assuré, frérot. Gros freestyle, merci, en tout cas. Merci. Big up à toi. Merci d'avoir répondu présent. Et à l'occasion, je partagerai tes trucs, il n'y a pas de souci. Et le bienvenu. Et le bienvenu, mon ref. Yes, I. Merci, mon gros. Ça fait grand plaisir, en tout cas. Yes, I. Allez tous follow X3 Boy. C'est de la frappe du lourd. Yes, I, mon gars. Passe une belle soirée. On va continuer tout ça tranquillement. Bravo, Miss Penel, en tout cas. Elle a encore gagné. Elle nous a tous défoncé. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a encore d'autres cadeaux. Là, c'est le moment. Il nous reste encore quelques minutes. On a le petit instant. Chanvrons le monde. On a des petites questions magiques. J'ai des petites questions comme ça qui ont été proposées par le frérot de chez Chanvrons le monde. Et c'est un bon petit délire. C'est un bon petit délire. C'est pour le grinder. C'est pour le grinder et le bag. Je vous montre ça encore une fois. Le petit sachet en chanvre. Le petit bag. C'est parti. Première question. Première question. Il faut écrire la réponse, s'il vous plaît. Qui est-ce qui est le plus addictif? Le tabac ou bien la weed? C'est parti, c'est parti, c'est parti! Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ah, faites gaffe à Miss Penel, je vous dis. Faites gaffe à Miss Penel, je vous dis. Faites gaffe. Qu'est-ce qui est le plus addictif? Oh là 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 là. Oh, vous dormez, Miss Penel, elle a encore emporté le délire. Oh my God, oh my God. Miss Penel, Miss Penel. Arrête, ils vont venir sur ton compte, Miss Penel. Arrête de tout remporter. En tout cas, Miss Penel, tu as remporté ce jeune. Félicitations à vous tous. Félicitations à vous tous, en tout cas. C'est très, très bien. Vous avez réussi. Mais Miss Penel a été plus rapide que vous, une fois de plus. Trop rapide. Trop rapide, Miss Penel. Miss Penel, t'es un pack. C'est magnifique. Bien joué à toi. Bien joué à toi. On va faire des votes. On va faire des votes. Mais moi, j'aime bien quand la personne a pu gagner tant qu'elle veut. Mais après, des fois, il faut voir ce que vous décidez. On va enchaîner. J'ai encore des petits cadeaux à faire gagner. Ça. Ça. La feuille blunt. 3 blunts. Pour les amateurs de blunt, de cigares. C'est comment? Soyez vifs. Soyez vif. Miss Penel, laisse un peu gagner les artistes. Ou bien gagne, c'est toi qui vois, t'as le choix. C'est parti. Pour remporter ça, la question est la suivante.
combien d'artistes ont participé à la saison 1 du League Day? Oh my god! Je répète, combien d'artistes ont participé à la saison 1 du League Day? C'est parti, recherchez, recherchez. Recherchez, recherchez, recherchez. Premier indice. Non, non, non. C'était pas combien par épisode, c'était combien au total. Vous avez raison, il y avait bien 4 personnes par épisode, mais combien il y avait d'épisodes? Jeune Claire a répondu 27. Frenchy Smoker, 30. Non, non, non. ZFR, 5. Non, non, au total. Combien d'artistes ont participé à la saison 1 du League Day? Il y avait effectivement 4 artistes par épisode. Après, la question, c'est de savoir combien il y avait d'épisodes. Miss Penel a dit 40. 40 pour Miss Penel. Miss Penel, c'est faux. C'est faux. C'est faux. 21. Non. 44. Non. 20. Non. Aïe, 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 aïe. Je vous donne un indice. Je vous donne un indice ou pas? Je vous donne un indice ou pas? 48. Non, pas 48. Non, non, non. L'indice. Il y a eu exactement 15 épisodes du League Day. La bombe est tombée. La bombe est tombée. 15 épisodes, il y a eu 15 épisodes du League Day, ça veut dire que 4 invités par épisode. Oh my god, vous êtes trop foncé ou quoi? Oh my god, 4 x 15, la mif. La réponse, elle est pas loin. Oh, 60, Frenchy Smoker. Yes, I m'amène. Tu viens de reporter 3 blunts de chez La Feuille Blunt. Des pures feuilles de tabac. Effectivement, lors de la première saison, 60 artistes ont participé à la fucking saison 1 d'Agri. Mais cette saison, vous allez voir, on va encore péter le score. Il va y avoir encore plus d'artistes. D'ailleurs, ça fait un peu plus d'un an qu'on a commencé ce genre d'expérience, ce genre de tuerie. Bien joué, Mr. Frenchy Smoker. Yes, ça, et c'est parfait, il va pouvoir faire des petits canagas. Avant que ça se termine, un petit jeu, c'est parti, on continue. Écoutez-moi bien. C'est question rapidité aussi, là. Vous êtes prêts? Qui ont été les premiers invités du leader? C'est parti. À vous de trouver. C'est parti. Mais moi, je sais même pas la réponse pour vous dire la vérité. Je veux les trois artistes. Je veux les trois artistes. Les trois premiers artistes. Zaz, Roulian, Kefran, Frenchy Smoker, c'est faux. Non. Les quatre artistes. LSDS, Zaz, non. Bon, un peu de motivation, vous jouez pour ce genre de délire. C'est les Jeff Filters. Nouvelle génération de filtres. Ok. Alors, oui, GRS, c'était de la partie. Jeune Clé, il est pas loin. Jeune Clé, Edim, GRS. Il en manque deux. Edim, GRS, pour l'instant, on a les deux bons. GRS, Edim. Après, il en manque deux. Quels étaient les deux invités avec GRS et Edim dans le premier épisode du League Day? GRS, Edim, DA, Lord Satanas. GRS, tu as gagné. Le refrain GRS. Il a gagné, GRS. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que je peux lui offrir? J'ai déjà trouvé. Il y avait déjà ça pour lui. Mon GRS, tu as remporté les filtres de chez Jeff Filtre. Tu vas kiffer, mon gars. C'est du très, très lourd. Des filtres pré-roulés, pré-truqués. Et avec ça, c'est cadeau. Vous connaissez, c'est la mif. Je te rajoute. Voilà, un petit pilon de Royal Ketama.
tu vas pouvoir kiffer, mon frérot. C'est cadeau. Avec ça, allez, vous savez, on balance tout, on balance tout. Avec ça, on va lui rajouter quoi au jeune homme? Qu'est-ce qu'on lui rajoute de gentil? Un petit paquet de feuilles. Voilà, c'est cadeau, ça c'est pour GRS. C'est là. Bah. Yes, ça. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du League Day. Encore une fois, vous m'avez fait kiffer. C'était incroyable, les artistes. Vous avez donné le maximum. J'ai kiffé, franchement, du très, 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 très lourd. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Mais avant de nous quitter, je vais vous parler en exclusivité des petits produits que je vais vous présenter la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous présente des trucs de ouf. Déjà, on termine la semaine, comme d'habitude, avec ce genre d'artefacts. Je vous présente la Skemti de chez Lala. La Mimosati. J'ai un frérot qui m'a envoyé plein de petites variétés comme ça. Voilà, c'est du tease. Niveau CBD, je vous présente les variétés de chez Green Dogs. Vous allez kiffer. Yes, ça. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Si kiffez la live, fumez le wanch comme à la West Coast, la MIF. On se capte la semaine prochaine pour le League Day. N'hésitez pas à partager un maximum la MIF. C'est comme ça qu'on se fait connaître, que je me fais connaître. C'est du très très lourd. Il y aura encore des cadeaux à gagner cette semaine pour le meilleur repartage. Le meilleur repartage, c'est quoi? C'est pour partager un petit moment que vous avez kiffé du League Day. Et moi, je garde ça. Et le meilleur que j'ai décidé de cette semaine remportera quelque chose de ouf. En tout cas, ce fut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un plaisir. C'était le League Day saison 2, présenté par votre homeboy, Mr. Siflo 420. À la semaine prochaine, fumez ça comme Mala West.